Le nouveau monde, il est ici, et rien ne peut nous en défendre. Nous avons marché sur les cendres, jusqu'à la profonde obscurcie. Il est ainsi, après avoir voulu s'y rendre, il a fallu tout désapprendre pour voir le matin que voici. Alors la première fois, je l'ai effectivement entendu avant de la rencontrer. C'était dans un groupe de travail, et la personne qui dirigeait ce groupe, au cours d'un travail, a mis une des chansons de Anne, qui était, si je me souviens bien, Jovule. Je sais que j'ai entendu cette chanson, que j'ai beaucoup aimée, et surtout, je me suis dit, à mon grand étonnement, parce que c'est pas à chaque fois que j'écoute une chanson, je crois même que c'est la seule fois où elle l'écoute comme ça, d'une chanson de quelqu'un que je ne connais pas, je me dis, je travaillerai un jour avec cette personne-là. Je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas d'où elle était, rien. Et je me suis dit, un jour on va travailler ensemble. Il est partout, tu l'as au fond de tes méandres. Comme atome qui veut s'épandre, comme vide qui contient tout. Il est à nous, le nouveau monde. Il est sans fin, se le passe en contrebande. On se l'offre, on se le demande, comme du feu, comme du pain. C'est notre bien, chacun de nous peut y prétendre. C'est ce que disaient nos légendes, c'est désormais notre destin. Le travail d'accompagnement des chanteurs, ça peut être autour de l'interprétation, ça peut être autour de la mise en scène, ça peut être autour de l'écriture. Tout dépend de ce qu'ils cherchent et là où ils en sont. Hein. Et là, quand avec Anne on a commencé à travailler, c'est un grand auteur pour moi. Elle écrit de très très belles chansons, mais elle n'avait pas pris place dans son espace d'interprète. Et donc, il me semblait, si elle voulait, soit elle pouvait développer son travail en écrivant pour d'autres, mais si elle voulait développer en faisant elle-même les concerts, il fallait vraiment qu'elle investisse sa place d'interprète, qu'elle les chante, qu'elle nous les transmette. Hein. Et pour ça, ça voulait dire le passer à travers le corps, puisque ce qui fait sens pour nous quand on est spectateur, c'est ce par quoi elle est traversée. Si les mots ne la traversent pas, ils ne peuvent pas nous atteindre. Un vieux parchemin compte la légende qu'il n'y a pas de fin dans le nomad's land. Mes mots sous les siens passent en contrebande, un peu de levain pour le nomad's land. Nous sommes combien qui mangerons ensemble le sel et le pain dans le nomad's land. Vos mains dans mes mains, mes amis, ma bande, mes sœurs de chemin, le nomad's land. Cette tournée, c'était quelque chose dont j'ai rêvé au printemps. Je voulais chanter tous les soirs. Comme une trouvère qui se fait inviter au château, puis qui chante pour charmer les châtelains. Mais en fait, c'était beaucoup, beaucoup de rencontres, beaucoup de moments de partage, plein de rencontres. J'ai la tête remplie de visages, et puis très touchée par la générosité avec laquelle j'ai été accueillie, reçue, nourrie. Voilà, c'est tout ça, cette tournée. Le nouveau monde. J'ai fait un rêve il y a
Je ne sais pas combien d'années, 10 ans peut-être, ou 15 ans, ou peut-être 5 ans. Puis je regardais le ciel. Et dans le ciel, il y avait toutes les étoiles qui scintillaient, je les voyais. Et je déclamais, je disais de la poésie. Je ne sais pas ce que je disais, mais ça sortait en flot comme ça de mon cœur. Et puis, le rêve a continué. J'ai rencontré des enfants un peu plus loin qui jouaient. J'ai rencontré un mendiant aussi. Un rêve très, très, très fort, très puissant. Et il me semble que c'est à la recherche de ce rêve-là que je suis partie. Dans cette tournée du Nouveau Monde et dans cette création du Nouveau Monde. Les petits enfants de l'eau. Amen.